petit-déj, comme je les aime. Par quoi est-ce que je vais bien pouvoir commencer? Oh, eh bien, prends les deux. De toute façon, ça finira comme ça. Oui, t'as raison. Lali, ton régime. Écoute, demain le régime, d'accord? Oui, comme d'habitude, quoi. Mais non, mais écoute, aujourd'hui c'est un jour de fête, on va pas faire de régime, non? Remarquez, elle les a bien mérités, hein, elle a bien travaillé. Comment ça, j'ai bien travaillé? Tu veux dire que j'ai été géniale? Ah. Bah oui. Entre le Nélise et les photos, on a quand même réussi à gagner 10 000 francs pour le bébé de Rosie, c'est pas super? Enfin, pour l'instant, ça sera pour Rosie, parce qu'il va falloir attendre un peu pour le bébé de Rosie, hein? Mais non, je suis sûre que dans son ventre, il doit tout sentir. Dis-moi, Lali, on est obligé de donner tout cet argent au bébé, hein? Oh, Josie, tu vas pas recommencer. Mais non, c'est vrai, mais on peut faire plein de choses avec cet argent. On peut acheter des instruments, arranger le garage, je sais pas, moi. José, si tu continues à dire ce genre de bêtises, je sens que je vais me fâcher. Hein? Cet argent, c'est pour le bébé de Rosie et pour personne d'autre. Bon, d'accord. En tout cas, la séance de photos hier nous a permis de découvrir quelque chose, les garçons. Ah bon? Quoi? Que vous étiez très sexy en tenue de plage. Et moi, ça m'a donné envie de partir en vacances. Bah, moi, j'avais honte. Je savais même plus où me mettre. Oh, mais non, petit chéri. C'était très, très excitant. C'est vrai. Oh là là. Oh. Oui, en tout cas, vous savez qu'on va bientôt devenir des stars. Les photos vont être publiées dans plein de magazines féminins. Quelle horreur. Je vais plus pouvoir sortir de chez moi. Pourquoi tu dis ça? De pas honte? Mais j'ai pas honte. C'est à cause des admiratrices qui vont m'en connaître sur les photos. Oh. Tu prends des risques, hein, Bénédicte. Oh là, ouais, tu prends des risques. Elles ont intérêt à faire attention, parce que je suis très possessive. Et comme tu es très mignon, ben je ne tiens pas du tout à te prêter à une autre. C'est vrai? Bon, voilà. Bon, j'en ai assez d'être célibataire, hein. Je trouve un fiancé. C'est vrai, je regarde plus la télé, je vais plus au cinéma pour éviter les scènes d'amour, évidemment. Et vous, vous faites ça en direct devant moi, c'est dégoûtant. Ma pauvre Lali. Bah, tu vois, je te prêterais bien Bruno, mais là, j'y tiens trop pour le moment. Bénédicte, Lali est une amie, je peux peut-être la dépanner, hein? Pas mon genre. Eh bien, tu vois, t'as la réponse. Salut. Bonjour tout le monde. Salut. Vous avez l'air en pleine forme. Ah, on est toujours en pleine forme quand Lali nous fait son numéro. Ah ouais, je suis comme ça. Asseyez-vous. Un petit peu de place, là. Bah oui, mettez-vous là, il y a de la place. Mmh. Ça va? Ouais, très bien. Alors écoutez, on est allé voir les photos, là, qu'on a faites hier. Elles sont superbes. C'est vrai, je suis bien. Oui, très très bien. D'ailleurs, vous êtes tous très bien. Et j'ai une super nouvelle pour toi, Bénédicte. Le photographe te trouve sublime. Il veut te faire un casting pour sa nouvelle compagnie de pub. Moi? Ouais. Eh ouais, toi, Bénédicte. On a vu le photographe ce matin. Il semblait très enthousiaste. Un petit seconde. Il s'est peut-être trompé d'individu. Peut-être qu'il a confondu Bénédicte et moi. Vous êtes sûr que c'est Bénédicte? Je suis sûre que c'est Bénédicte, oui. Désolée. Il nous l'a montré sur la photo. Non, mais vous vous rendez compte, notre petite Bénédicte va devenir top modèle. Va pas trop vite quand même. Ouais, surtout qu'il est hors de question qu'elle fasse ses photos. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai encore mon mot à dire, on est ensemble, oui ou non? Je t'interdis de rentrer dans ce circuit. Attends, José, c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux. Faut attendre, on sait jamais, ça peut être très intéressant. Oui, ne t'inquiète pas, de toute façon, je vais aller avec elle. Comme ça, elle ne risque rien. Mais vous savez quoi? Moi aussi, je vais y aller au casting. Parce qu'on sait jamais. Si le photographe s'est trompé, eh ben il pourra peut-être me prendre à la place de Bénédicte. Mannequin, mannequin. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes ces filles? Depuis que les mannequins sont à la mode, elles se voient toutes en couverture de journaux. José, c'est un métier comme un autre. Et regarde Linda, par exemple, elle est mannequin. Elle arrive à avoir une vie tout à fait normale. Hein. Ouais, mais Linda, c'est son métier. Et Bénédicte, tu la vois avec son 1m60? Enfin, José, il n'y a pas que la taille. Et puis Bénédicte est très jolie, non? Je m'en étais aperçu. Merci. Oh, ça va, ça va. Excuse-moi, je disais ça comme ça. José, écoute, te mets pas dans cet état-là simplement parce que Bénédicte a passé un casting. Mais de toute façon, elle a aucune chance. Je veux pas qu'elle soit ridicule, c'est tout. Elle sera pas ridicule. Écoute, le photographe l'a trouvée sublime. Ah ouais, pourquoi il l'a fait revenir alors? Il pouvait pas l'engager directement? José, il faut que tu saches une chose. La pub, c'est pas si simple que ça. Tu comprends? Il faut d'abord présenter les photos au client avant d'avoir un accord définitif. Ouais, ben j'espère que le client il sera aussi intelligent que moi, qu'il va vite comprendre qu'elle est pas faite pour ça. Dis-moi, Jolie, tu serais pas un peu trop jaloux, là? Mais enfin, mais ça n'a rien à voir. C'est pour elle que je dis ça. Je veux pas qu'elle soit mannequin, ça m'était stupide. Attention, et José, Linda est mannequin, souviens-toi de ça, s'il te plaît. Bah justement, si vous êtes séparés, Linda et toi, à l'époque, c'est à cause de son métier. Mais enfin, tu peux comprendre ça, Sébastien.
Si on s'est séparé avec Linda, c'est pas du tout parce qu'elle était mannequin. Simplement, à l'époque, on était trop jeunes, on avait rien compris. Ouais. Bien, moi aussi, je suis trop jeune. Et je crois que j'ai rien comprendre non plus. C'est pour ça que j'ai pas envie de prendre de risques. Salut. Ah, salut. Les filles, on vous attendait. Ah, mais alors. Alors, comment ça s'est passé? Super, Bénédicte a fait son casting comme une grande. Ouais, ils ne se sont pas trop moqués de toi? Pas du tout. J'ai décroché le contrat. Ah, alors, si vite? Oui, parce que le client, il était là. Alors, il a pris sa décision tout de suite. Ouais, il a un petit peu hésité en me voyant, mais bon, il voulait une blonde. Alors, c'est génial, non? Ouais, c'est payé combien, ce truc-là? 25 000 francs. Hmm? 25 000 francs. Waouh, ça, c'est une belle somme. Bravo, Bénédicte. Ouais, ça va faire une belle petite fortune pour le bébé de Rosie. Et dis-moi, tu les fais quand, les photos? Jamais. Pourquoi tu dis ça, José? Je t'interdis de les faire. Oh, mais pourquoi, José? C'est complètement ridicule. Je ne veux pas que Bénédicte fasse ses photos. Je ne veux pas qu'elle s'exhibe devant un photographe. Et je veux pas la voir placardée sur tous les murs de France. Ça vous va? Je veux, je ne veux pas. Eh bien, moi, je veux. Et j'en ai marre que tu décides de tout pour moi, d'accord? D'accord, Bénédicte. Tu le prends comme ça? Eh bien, maintenant, tu choisis. C'est la photo ou moi? Mais quoi? Tu te tais? Mais non, je me tais pas. Allez, Bénédicte, ne fais pas ce titre-là. Écoute, José, il était énervé quand il a dit ça, c'est tout. Non, je le connais. Là, il était vraiment furieux. Eh ben, il a qu'à rester furieux. S'il est idiot, ça le regarde. Lali, s'il te plaît, tu t'en mêles pas, d'accord? Mais si, je m'en mêle. Non, mais vous avez vu la façon dont il lui a parlé. C'est inadmissible de se laisser dicter sa conduite comme ça par quelqu'un. Mais Lali, c'est pas quelqu'un, c'est José. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Mais ça n'a aucun rapport. Si elle fait ça, c'est pour le bébé de Rosie, c'est vrai. Tiens, ben moi, si j'étais à sa place, hein. Imagine seulement que quelqu'un me dise quoi que ce soit. Je rentrerai dedans tout de suite. Oui, bon, Lali, c'est quand même Bénédicte de prendre sa décision. C'est vrai. C'est à moi de décider. Mais le problème, c'est que je sais pas quoi faire. Eh ben, c'est simple. Tu fais les photos. Et si José me quitte? Mais non, il te quittera pas, il dit ça pour te faire peur. Oui, bah tu vois, ça, j'en suis pas si sûre. Hein. José, je commence un peu à le connaître et quand il dit des choses comme ça, il est capable de les faire, ne serait-ce que par entêtement. Là. Mais c'est complètement ridicule. Mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? C'est jamais qu'une séance de photos. Mais il fait ça pour te brimer, pour t'étouffer. Il fait ça, tiens, parce qu'il veut absolument dicter ta conduite. Voilà. N'empêche que réfléchis, Bénédicte. Réfléchis à la façon dont il t'a parlé. Lali, tu dépasses les limites, t'es en train de mettre de l'huile sur le feu, là. Non, laisse-la, Lali a complètement raison. Je me demande des fois ce que je fais avec José, c'est vrai. Il est tellement égoïste, tellement jaloux, tellement macho. Tellement égoïste, tellement jaloux, tellement macho, t'as raison, tiens, voilà. Oui, ben n'en rajoute pas, s'il te plaît. Bon, ben d'accord, je me tais. N'empêche que t'as pas le droit de te laisser faire comme ça, c'est vrai. Au nom de tous les droits, de toutes les filles du monde, t'as pas le droit de... Vas-y, Bilali, tu peux réfléchir tranquillement. Et toi, Linda, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je ne sais pas, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je fais ce métier depuis des années et j'ai pas de problème. Mais quand même, fais attention de ne pas sacrifier trop de choses. C'est important. Oui. Est-ce que je peux respirer? Bon, d'accord, mais tu te tais, compris? Compris. N'empêche que tu devrais quand même réfléchir aux 25 000 francs que tu peux gagner pour le bébé de Rosie. Non mais laisse-la, tu sais. Lali a complètement raison. C'est la chose la plus importante. Je vais la faire, cette séance de photos, et José, bien, il finira bien par se calmer. Youpi! Génial! Bon, ça marche ou pas, ce truc-là? C'est pas vrai, ça? Hé, José, si t'appuies pas sur le bouton, ça risque pas de marcher. Ah, c'est vrai. Oh, hé, doucement, hein. C'est fragile, ces trucs-là. Bah, je sais, je suis pas complètement idiot. José, tu vas te calmer un peu. Non, mais... Je suis calme, je suis très calme. Pourquoi tu me dis ça, d'ailleurs? Mais parce que depuis ce matin, tu fais la tête. Regarde-moi ça, tu t'énerves pour un rien. Allez. Ouais, excusez-moi, mais bon... Vous vous rendez compte de ce que me fait Bénédicte en ce moment? Tu te rends compte, toi, de ce que tu lui fais, non? Tu te rappelles la façon dont tu lui as parlé? Je trouve que t'as pas été très cool avec elle. Hein. Ouais. Puis tu voulais que je fasse, que je la laisse faire n'importe quoi? Ben, c'est pas forcément n'importe quoi. Puis Bénédicte est assez grande pour prendre ses responsabilités. Ouais, je sais, mais chez moi, ce sont les hommes qui décident. Mais qu'est-ce que vous faites rire encore? Parce que c'est ridicule ce que tu dis là. C'est complètement dépassé. Comment ça, c'est complètement dépassé? Mais pas du tout. Si tous les hommes se conduisaient comme moi, bah, le monde tournerait bien mieux. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison, José. C'est vrai que ce sont les femmes qui décident toujours de faire la guerre, d'assassiner, de commettre des génocides.
Attends, mais ça n'a rien à voir. Salut la compagnie. Oh, Zaza, mais t'es de retour? Bah, oui. Tu sais que t'es toujours aussi mignon, toi. Alors, content de me revoir? Oui. Salut, Zaza. Mais c'est un nouveau, je le connais pas, celui-là. Mignon aussi. Ah ouais. C'est Bruno. Bruno, je te présente Zaza, c'est la petite sœur de Rosie. Enchantée. Alors ne me parlez surtout pas d'elle. Justement, je suis à sa recherche pour lui arracher les yeux. Elle est pas là? Non. Non, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Vous êtes au courant qu'elle attend un bébé? Ouais. C'est pour ça que tu veux lui arracher les yeux? Eh ben, figurez-vous que ce bébé, elle l'a fait avec mon copain. Alors maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai lancé un avis de recherche pour la tuer. Qu'est-ce que tu racontes, là? La vérité. Vous vous rendez compte du culot? Me piquer mon copain pour se faire faire un bébé? Mais j'ai l'air de quoi, moi, maintenant? Ah, mais je vous rassure, vous avez l'air très bien. Ouais. Ben, encore heureux, mais moralement, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ma tête? C'est de la cruauté mentale qu'elle m'a fait. Non, mais attends, Zaza. T'es sûre de ce que tu dis, là? Mais oui, c'est mon copain qui me l'a avoué. Alors, elle est où? Elle est pas là pour le moment. Mais je vois bien, mais elle est où? Bah, elle est très loin, elle est partie en vacances avec Olivier. Ah, bah, elle s'embête pas alors, elle. Elle a décroché le jackpot avec son yo-yo. Salut. Ah, je vois que vous n'êtes pas tout seul. Elles existent encore, celles-là. Zaza, tu calmes. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je vous expliquerai. Gentil, hein, Zaza. Bon, Bénédicte, t'as pris ta décision? Oui, je l'ai fait, ces photos. T'en es bien sûr? Oui. Ok, t'as choisi, c'est parfait. Bien, allez, hop. J'espère que tu te trouves toujours aussi mignon. Oh là là, pourquoi est-ce que ce photographe n'a pas flashé sur moi au lieu de flasher sur Bénédicte? Ça t'aurait évité cette dispute avec José. Lali. Oui, bon, c'est bon, je disais ça comme ça, c'est tout. Bon, de toute façon, maintenant, c'est comme ça. On n'en parle plus. Bah oui, mais moi, en attendant, tu vois, je regrette de t'avoir poussé à signer ce contrat. C'est vrai, je pouvais pas prévoir que José serait aussi stupide. Mais Lali, mais t'y es absolument pour rien. C'est moi qui ai pris cette décision. Alors maintenant, je l'assume. Tu sais, si tu changes d'avis, je peux m'arranger avec le photographe. Je le connais un peu, ça devrait y aller. Non, je ne changerai pas d'avis. J'ai dit oui, c'est oui. Ah ben voilà. Tu vas te retrouver célibataire, comme moi. Mais enfin, pour toi, ce sera pour rien. Non, ce sera pas pour rien, Lali. Puisqu'il s'est comporté comme un idiot, eh bien, je vais être encore plus idiote que lui. Écoute, réagis pas comme ça. Oublie un peu ta colère, tu risques de le perdre. Et là, c'est grave. Tant pis, il y a plein d'autres garçons sur Terre, il y en a plein d'autres. Mais oui, c'est ça. Non, mais dis donc, est-ce que tu vois, toi, le temps que je mets à me trouver un petit copain? Excuse-moi, Linda, je disais pas ça pour toi. Mais oui, j'essaie d'expliquer à Bénédicte que quand on a un garçon que l'on aime et auquel on tient, ben, faut tout faire pour le garder. Parce que vous croyez que je peux encore l'aimer? Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Vous l'avez vu sortir avec cette fille? Écoute, il a fait ça parce qu'il est énervé, c'est tout. Oui, et bien maintenant, c'est moi qui suis énervée. Et puis ce qui est fait est fait. Maintenant, je vais faire ses photos, je vais gagner plein d'argent pour le bébé de Rosie, et puis tout va bien, tout va bien. Moi, je sais plus quoi te dire, alors fais ce qui te semble mieux. Hein. Si seulement Hélène était là, je suis sûre qu'elle réussirait à te calmer. Non, Lali, ça changerait absolument rien. J'en ai assez de José et de ses ordres. Bon, allez, on tourne la page et on parle d'autre chose, parce que... Ben, ne me regardez pas comme ça, les filles. Ça va, je suis pas à plaindre, hein. De toute façon, José n'a que ce qu'il mérite. Et moi aussi, d'ailleurs. Non, mais pourquoi tu dis ça? T'y es pour rien, toi? Si, si, j'y suis pour quelque chose. C'est moi qui lui ai donné cette sale habitude de tout décider, de dire amen à tout ce qu'il dit. Si j'avais réagi différemment, eh bien, ça se passerait autrement maintenant. Bon. Bah, moi, je sais ce qu'on va faire. Si je faisais les photos à ta place, hein, ça me dérange pas. Surtout, tu fais pas attention, c'est de la provocation. Je sais. De toute façon, j'en ai rien à faire.
Au moins, elle me prouve que j'ai pris la bonne décision. Bon, on y va, les filles, hein? On va les laisser s'embrasser tranquillement. Attends, tu veux pas qu'on leur balance un petit truc dans la figure juste avant de partir? Non. Les imbéciles, on les traite par le mépris. Allez, venez, on y va. Vous pensez que je serais assez bien pour les photos? Mais oui, tu vas voir. Avec Gérard, c'est toujours parfait. Ouais, parce que d'habitude, il travaille avec des vrais mannequins, alors... Et alors? Tout le monde débute un jour. Et puis t'inquiète pas, t'es déjà très belle. Avec le maquillage qu'elle est en train de te faire, tu vas voir, tu vas être superbe. Heureusement que vous êtes là pour arranger ça. Hein. On a le pire, tu sais. Elle est prête? Oui, bah t'énerve pas, on arrive. Je t'énerve pas, mais Gérard est pressé, hein. C'est vrai, il est énervé? Ah, je l'ai jamais vu comme ça, il crie après tout le monde. Oh là là, mais moi, s'il me crie dessus, je suis sûre que je vais pleurer. Mais non, t'inquiète pas, il est jamais méchant avec ses mannequins. Il sait trop qu'il a besoin d'eux. Oui, bah j'espère. Alors, comment vous me l'avez préparé, ma princesse? Bah regarde, elle est superbe, non? Ouais, c'est vrai qu'elle est jolie. Bonjour, ça va? Bonjour, monsieur. Monsieur, appelle-moi Gérard. Toi, c'est Bénédicte, c'est ça? Oui, oui, Gérard. Attention, là, il y a un petit peu trop de blush. Allez, décontracte-toi, ça va très bien se passer. Elle a un trac terrible. C'est vrai, ça? Bah oui, c'est normal, c'est la première séance de photo que je fais. Bon, j'ai compris. Laissez-moi seul un moment avec elle. Je vais la décontracter. Allez, tout le monde dehors. Vous avez entendu Gérard? Allez, dehors, plus vite. Et toi, va préparer mes appareils. Tout de suite, Gérard, tout de suite. Oh non, non, vous pouvez rester. Non, non. Tu sais, c'est son boulot de faire ça. Et puis on sera beaucoup mieux tous les deux pour discuter. Et ferme la porte. Alors, Bénédicte, tu es contente de faire des photos avec moi? Oui. Mais en fait, je sais pas si j'ai eu raison d'accepter parce que... c'est pas mon métier. Ben, c'est mieux. Tu as toute l'innocence pour toi. Et puis, tu es très mignonne. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde de faire des photos pour la publicité ou les magazines. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Si, je sais. Alors, un jour, tu me remercieras. Oui. C'est gentil de votre part. Tu pourrais me remercier autrement. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à la fin? Je veux dire que je peux faire beaucoup de choses pour toi si tu en as envie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur? Non, non, pas du tout. Alors, viens. On a 5 minutes pour se décontracter avant la séance de photo. En tout cas, t'as bien fait de lui donner une grosse paire de plaques. Hein. À ta place, je crois même que je l'aurais tué. Oui, Benny, je suis vraiment désolée. Je comprends pas. J'ai déjà travaillé avec lui plusieurs fois. Il m'a jamais fait ce coup. Jamais. Mais arrête, Linda, c'est pas de ta faute. Tu pouvais pas le deviner. C'est vrai, toi, t'es un top modèle. Il a besoin de toi, donc il te respecte. Mais Bénédicte, c'est une débutante. Il a voulu un peu s'amuser avec elle. Oui, ça doit être ça, mais faites-moi confiance. Je vais lui faire sa réputation. Quand je pense au nombre de filles qui sont piégées par des types pareils. Oh, les pauvres. Mais écoute, toi, t'as su te défendre. Donc, si elles se défendent pas, c'est qu'elles le veulent bien. Mais comment est-ce qu'on peut se laisser piéger et se laisser avoir par ce genre de type? Mais c'est pas possible! Eh ben, tu vois, il y en a qui sont prêtes à tout pour réussir. Oui, mais à ce point, tu sais, entre les mains d'un type pareil, eh ben, on est moins que rien. Mais je comprends pas. Pourtant, il est un très bon photographe. Tu sais, tu peux être un génie et en même temps le plus gros vicieux de la Terre. Oui, tu as raison. Mais quelle horreur! Je ne peux plus jamais travailler avec lui. C'est fini. Fini. Le plus triste dans tout ça, c'est que tu t'es disputé avec José à cause de cette histoire de séance de photos. Tu sais, dans le fond, c'est lui qui avait raison. Je suis vraiment pas faite pour ce genre de métier. Entourée de vicieux pareils, alors ça, non. Allez, n'y pense plus. C'est fini maintenant. Oui. Mais bon, on n'aura pas l'argent que je devais avoir pour le bébé de Rosie, hein. Oh, écoute, ne t'inquiète pas, c'est pas grave. On va trouver un autre petit boulot. T'inquiète pas. T'as raison, Lali. Bon, les filles, on y va. Allez. Zou. Ah,
puis en plus, ils arrivent tôt ce soir, hein. Ouais, bah, je crois qu'on va avoir du travail, hein. Ouais, bah, tant mieux, ça fait plein de pourboire. Bonsoir. Bonsoir. Bénédicte. Ta séance photo s'est bien passée? Non, ça n'a pas été vraiment concluant. Et Zaza? Bah, ça n'a pas été vraiment concluant non plus. Bénédicte, je suis vraiment désolé, je me suis comporté comme un idiot. S'empêcher tout.